Comment ça va le gang aujourd'hui? Mon nom c'est Shelly et bon retour sur Undertale. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais laissé le choix. Est-ce qu'on arrête le jeu là ou est-ce qu'on se bouge le petit cul et on va voir le fils pour essayer d'avoir la bonne fin? Hein? Et ce qui est revenu, c'est que Shelly, bouge-toi le cul et va voir le fils. C'est là où je vais. Alors on va se taper le chemin ensemble. Hop, hop, hop. J'ai le temps de bouger ma petite flèche comme vous avez vu. Et on se tape le retour jusqu'à chez le docteur Alephys. Alephys, Alephys, mon ami Alephys. Ah, alors, d'après ce que j'ai compris, la fin qu'on s'est tapé la dernière fois, c'est la fin neutre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini le jeu en pacifique, vu qu'il faut aller voir Alephys et régler tout ce qu'il y a à régler avec lui. Enfin, avec elle. Parce que n'oublions pas que le docteur Alephys est un monstre féminin. Et on va voir un peu ce qu'il nous prépare de mignon. Et au passage, on peut admirer les beaux décors de la capitale. Coucou les monstres, coucou! Et j'en rencontre personne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a personne en chemin. Il n'y a même pas la musique. C'est un truc... c'est calme, détendu, ça ne stresse pas du tout. Mais pas du tout. Alors, hop, musique est de retour. Ouh, ça m'a surpris. Un bordel. Alors, on retraverse la maison, la copie de la maison de Toriel, mais en blanc. Ok. Celle de Toriel était plus colorée quand même. Hop, on va se tirer d'ici. Et on va redescendre jusqu'au labo de Alephys. Hein, Alephys? En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la fin était semi-triste dans le dernier, puisque dans le dernier épisode, puisque je gagnais. J'arrivais à me barrer d'ici, mais les monstres restaient enfermés, mais ne perdaient pas l'espoir. Toriel reprenait sa place et Asgore était bel et bien mort. Leur roi Asgore est mort. Donc on va voir si on peut faire des choses différentes. Hein? Hop, le petit ascenseur. Allez, let's go en bas. Hop, au rez-de-chaussée s'il vous plaît, Nestor. Merci. En attendant les poulets, je vous remercie du soutien que vous montrez à la série. N'hésitez pas à continuer à mettre des pouces, à tabasser le bouton j'aime. Ça lui fait du bien d'en prendre plein la gueule. Et moi aussi, ça me fait du bien. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série. Hein, si je me suis plutôt bien emmerdé ou pas. Ça fait toujours plaisir d'entendre. Hop, on redescend. Ah, on va bientôt arriver. On va retraverser le MTT Resort dans pas longtemps. Téléphone? Allô? C'est Undyne. Salut, Undyne. Ta gueule, Papyrus. C'était ton idée. Humain. Tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît. Je suis à Snowdin à côté de Papyrus. On s'y retrouve, Punk. Ok. Bon, ben, apparemment, on va devoir passer voir Undyne aussi. Ça, c'est un truc que j'avais pas prévu. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y gaiement. Tire les pimpons sur le chihuahua. Hop. Est-ce que c'est par là? Je me souviens plus. Oh là là. Ah, je profite de la musique, ça fait du bien de la réentendre. Non, c'est pas par là. Ok, mon bon Shani, tu t'es planté comme un brave. Ah là là, c'est un peu le bordel. Mais bon, au moins ça vous montre, si vous devez le faire vous-même, le trajet qu'il faut se taper. Hein. Hop, c'est par là, je crois. Oui, c'est ça. Il faut reprendre l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et on va arriver au labo d'Alephys. Hop, hop, hop. S'il te plaît, choisis un étage. Left floor 1. Rez-de-chaussée en clair. Ding! Merci! Ça fait plaisir! Au revoir, Nestor! Ok. Ah, si je me trompe pas, on est à côté du labo d'Alephys. Est-ce que je vais pas voir d'abord Undyne? Si, si. Ah là là, est-ce que tu veux faire un tour? Oui, je veux faire un tour, s'il te plaît. Et où on va? Snowdin! En avant! Ah, j'adore me balader avec la mort sur son bateau. Tralala. Ne t'introduis pas par l'arrière des maisons des gens, hein. Tu pourrais être confondu avec une poubelle. Merci, c'est toi la tronche de poubelle. Oh, bordel. Ok, on est parti. On est à Snowdin. Ah, je reconnais ce petit décor. Reviens me voir vite. La la la. Ah, petite musique douce. Musique de No Stress. Papyrus, c'est à droite, hein. Il me semble. Oui, il y a la boîte aux lettres de Papyrus. Non, de Sans, c'est le bordel. Eh, j'ai quelque chose à te donner. Mais tu transportes trop de choses. Bah attends, je vais bouffer un truc. On va jeter
le napperon taché. C'est pas un napperon, c'est un tablier. Le tablier taché, on le balance. Alors j'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu délivres cette lettre. Ok. Docteur Elvis. Pourquoi je le fais pas moi-même? Bah ouais, pourquoi tu le fais pas, quoi? C'est le genre de personne... Mais on est amis, hein, donc... je te le dirai. C'est parce que les Hotlands, ça pue! Je veux pas y retourner. Alors toi, t'y vas. Sympa, merci. C'est qui se tape la merde et la chaleur? C'est Bibi. Et si tu le lis, je te tuerai. Merci beaucoup. T'es le meilleur. Eh ben, si je lis la lettre, il me bute. Je suis tenté quand même. Je suis tenté. Moi, quand on m'interdit un truc, ça me travaille. Ça me travaille. Où on va? On va dans les Hotlands. On va voir le docteur Filfif. Filfif. Alfif. La mort? Ton bateau s'est transformé en chat sautant, c'est normal? Qu'est-ce qu'il y a d'un gland? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un gland? C'est juste un mystère. Moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur d'un gland. Enfin, ce qu'il y a sur le gland en tout cas. Il y a une cape bleue. Pardon. Oups, je suis en train d'insulter la mort. Bye bye, on s'épile, on se fait une touffe. Hein. On s'appelle, on se fait une bouffe. Pardon. Ouf. Allez. Je sauvegarde avant d'y aller. Oui, je sais, de voir Dreux, ça me remplit de détermination. Le labo d'Alphys. Il n'y a pas... ça ne s'ouvre pas. Est-ce que je mets la lettre sous la porte? Non. Je vais garder la lettre plus longtemps. D'accord, ça sert à rien. Oui, glisse-la sous la porte et tape. Oh non! Est-ce que fais-je une autre lettre? Je ne veux pas l'ouvrir. Est-ce que je peux juste la regliffer? Non, 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 Alphys, tu lis. Non! Je ne peux pas continuer à faire ça. Je vais la lire. Oui, c'est bien. Tu lis. Tu lis. Tu lis où je défonce la porte et je t'en mets une. Fais fermer un peu fort pour une lettre, n'est-ce pas? Attends une seconde. Ouais, bah j'ai pas que ça à foutre, hein. C'est moi ou elle vient d'y mettre un coup de laser pour l'ouvrir? Fais une blague, fais... Oh mon dieu! Est-ce que tu as écrit cette lettre? C'était pas fini, alors j'ai aucune idée de qui peut l'avoir faite. Qui peut l'avoir écrite? C'est toi qui as écrit la lettre, allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est toi ou si c'est pas toi. C'est important, dis-moi-le. J'hésite, est-ce qu'on lui dit que c'est nous ou est-ce qu'on lui dit pas que c'est nous? Est-ce que je suis pourri jusqu'au bout ou pas? C'est ça la question, est-ce que je suis vraiment putride ou est-ce que je vais rester calme? Non, je... oh mon dieu, oh non! Tu m'as même pas laissé le choix de répondre. C'est adorable! Et j'avais aucune idée que tu écrivais comme ça. C'est surprenant aussi. Après toutes ces merdes que je t'ai faites. Ouais, tu peux dire, on peut dire que tu m'as mis dans la merde. Je mérite pas d'être pardonné. Plus ou moins. Et puis ça, c'est tellement passionné. C'est quoi? Ok, on va le faire. Mais on va faire quoi? C'est la moindre des choses que je peux faire. Pourquoi? Mais pourquoi? Ok, allons dans un rendez-vous. What the... Le rendez-vous commence. Peut-être. Oups, désolé, je suis encore en train de m'habiller. Sérieux, Alphys, tu te fous de ma gueule? Ressemble à quoi? T'es super dans ta robe à pois. Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Oui, t'es toute mignonne dedans. Elle a un grand sens de... quoi qu'il en soit, allons-y. Ok, on y va, on va où? Ah, petite... Attends, attends mon gogo, attends.
On peut pas comment faire, rendez-vous de suite, hein. Pourquoi ? Le rendez-vous s'arrête. Je dois te donner ces objets pour augmenter tes stats d'affection en premier. Tiens, ça va augmenter les chances de succès de notre rendez-vous. Ok ? Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, je suis préparé. Je vais accumuler tous ces objets en préparation de tout ça. Pour un jour, si j'avais un rendez-vous, le faire. En premier, je te donne du polyf pour armure métallique. Hein ? Et pourquoi ? Pourquoi tu veux me donner ça ? Peut-être tu pourrais l'utiliser, mais je vais aussi amener de la crème waterproof pour tes écailles. Pour mes écailles ? Mes écailles. Oui, tes écailles. Et pourquoi pas ce kit de réparation de lance magique. Mais j'ai pas de lance magique, Elfif. Oublions tout ça. Comment faire le rendez-vous, hein, c'est mieux. Oui, je crois, ouais. On va aller au rendez-vous parce que là, tu me fais un peu peur. Oui, allons-y. On y va? Ou pas? On fait quoi? Elfis. Bon, tu te bouges le derche, là, sérieux. Elfis. Est-ce que tu aimes les animés? Ouais. Ah ouais, j'aime bien les animés. Eh, mon fille. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien One Punch en ce moment. One Punch. Allons quelque part. Un bon endroit pour faire un rendez-vous, c'est quoi, pour toi? Un resto? Cinéma? Non, je sais, mieux. On va aller au dépotoir. Au dépotoir. On y est. Ok. C'est là où on vient, moi et Undine, tout le temps. Ah, t'es fait rigoler, Alfie. Tout le temps. On trouve un paquet de belles choses, fille. Oui, tu m'étonnes, c'est une accumulation de saloperies. Et tu dois trouver des choses sympas au milieu. Et des gens qui jettent bien des trucs et qui peuvent servir encore. Elle est vraiment phénoménale. Oh non! Fais-t-elle par là! Va me voir, mon pote, avec rendez-vous avec toi! Pourquoi? Parce que... Oh non! Elle arrive! Alors t'es là? Bah ouais, Undyne. J'ai réalisé que si tu délivrais cette chose, ça serait une mauvaise idée. Pourquoi? Alors, je vais le faire. Donne-la-moi. Je l'ai pas. Oh, tu l'as pas. Est-ce que tu l'as vu au moins? Non. Non. Oui, non. Non, je l'ai pas vu. Non. Mais... Elle était pas à la chaîne? Putain, où elle est? De quoi? Oh mon dieu! Eh ben, c'est étrange, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Je veux dire, plus que les autres gens, hein. Je suis désolé. Je pensais juste que... ça pourrait être fun... un truc sympa de prétendre sortir avec toi. Si ça te faisait te sentir mieux. Ça fait bizarre. Undine est la personne. Elle est bien. Elle est trop bien pour moi. Je le fais. Et puis elle est cool. Mais Undine. Elle est tellement confiante. Elle est forte. Elle est drôle. Et moi, je suis juste personne. Une imposture. Je suis la scientifique royale, mais. Après tout ce que j'ai fait peut faire du mal aux gens. Je vais lui raconter tellement de mensonges. Elle pense que je suis beaucoup plus cool que je le suis réellement. Si elle se rapproche de moi, elle découvrira la vérité à mon sujet. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu vas lui dire la vérité de suite. La vérité?
Mais Fufu dit, non, fais mieux comme ça, non. Je préfère vivre avec un mensonge ou une vérité qui fera qu'elle s'éloigne de moi. J'aime, je sais pas trop. Je m'aime pas beaucoup en fait. Je fais juste ce que les gens ont besoin de que je fasse pour qu'ils m'apprécient. Non mais Alphys, c'est pas cool. Oui, t'as raison. Tous les jours, je suis effrayé. Je suis effrayé que les gens découvrent la vérité d'eux-mêmes. Mais comment je pourrais dire à Undine la vérité? J'ai pas la confiance. Je vais me planter, il faut que je pratique. Ben on va faire un petit jeu de rôle. Un jeu de rôle? Ça paraît assez marrant en fait. Ok, qui fera Undine? Moi je serai Undine. Ah oui, c'est vrai, c'est logique. Bah oui, un peu, oui. Salut Undine, comment tu vas aujourd'hui? Je fais bien. Ravi de l'entendre. Alors je voudrais te parler d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a, Alphys? Tu vois, j'ai pas été exactement franche avec toi. Tu vois, Oublie ça. Undyne, je vais te dire un autre truc sur comment vous me vends. Tu es tellement brave et forte et belle. Tu m'écoutes toujours, même quand on raconte des trucs de geek. Tu fais toujours de ton mieux pour m'aider à me faire sentir spécial. Je vais te dire que tu me battrais n'importe qui. Undyne, je ne peux plus continuer. Je suis follement amoureux de toi. Ferme-moi, Undyne. Ferme-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Undyne, j'étais juste en train de... Waouh! Attends une seconde. Ta robe est vraiment belle. C'est pour quelle occasion? Attends une seconde. Est-ce que vous deux, vous êtes en train de... Rendez-vous? Oui. Non. Je veux dire oui. Non. Mais on me dit, mais en fait, c'était juste un jeu de rôle romantique pour pratiquer pour toi. Quoi? Je veux dire... Undyne, je t'ai menti. Je t'ai menti, Undyne. Quoi? À quel sujet? Au sujet de... Tout. Je t'ai dit que... Que vous aimez les classes et que vous aimez lire les livres d'histoire et que... Alors que c'était des mangas et que... Ces films d'histoire qu'on regarde ensemble faisaient juste des animés, ils sont pas réels. Mais tout ce temps où je t'ai dit que j'étais occupé au travail, je mangeais juste de la glace au yaourt. Fils, je voulais juste impressionner. Oh, ma pauvre fils. Undyne, tu vas écouter Alphys. Je voulais juste que tu penses que j'étais sympa et cool. Que j'étais intelligente et pas une sorte de loser geek. Alphys. Brave petite bébête. Undyne, je pense vraiment que t'es extra, ok? Alphys. Ma petite Alphys. Chut. C'est fini. Dunk. Alphys. Je pense que tu es extra aussi. Mais tu dois réaliser. La plupart de ce que je dis que tu as dit ne compte pas pour moi. La plupart de ce que tu as dit ne compte pas pour moi. Je m'en fous que tu regardes des dessins animés profonds, que tu lis des livres d'histoire. Pour moi, tout ce truc, c'est juste des trucs de ce que j'aime à ton sujet, c'est que tu es passionné, analytique. Peu importe ce que c'est, je t'en occupe à 100%. Puissance maximum. Alors tu ne dois plus mentir. Je ne veux pas que tu aies à mentir à personne. Plus jamais. Alphys, je vais t'aider parce que je suis heureux avec la personne que tu es. Ou heureuse, je sais pas. Mais je
connais l'entraînement qu'il te faut. Tu vas m'entraîner? Quoi? Moi? Non, Papyrus va le faire. Tremblez vos os, voilà le plus beau. Allez, il est temps de faire son tour. Et on va raconter à tout le monde comment on est géniaux. T'es prête? Je vais démarrer le timer. Papyrus, vas-y. Vas-y, Papyrus. Undine, je ferai de mon mieux. Papyrus. Oh mon dieu! Elle rigolait pas en le disant, n'est-ce pas? Ah non, elle se marie pas là. Tous ces cartoons, tous ces dessins animés, c'est toujours réel, n'est-ce pas? Mais oui, Andy. Les animés, ça existe, hein? Oui, les animés, ça existe. Oui. Sinon, elle va se... Je le savais. Des épées gigantiques, les princesses magiques, me voilà. Hein? Merci pour avoir pris soin d'Alphys. J'ai pas pu lui dire ce que je voulais, mais... Les choses sont bien... Tant que... pour qu'elle aille mieux. Je dois y aller. Je dois aller les rejoindre. On se retrouve plus tard. Et ouais les poulets, on va se retrouver plus tard. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de bombarder les gemmes. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Peace et bon week-end. Bye bye.